que vous avez bien, nouvelle vidéo en compagnie de Yaya. Salem, j'espère aussi que vous allez bien. Vous avez vu en ce moment en France, il y a une vague de froid. Il fait froid. Il fait grave froid. Regardez le sol, il est vert glacé. Et du coup, j'ai eu l'idée personnellement de se mettre à la place des pauvres pendant ce froid. Parce que dites-vous, il y a des gens qui dorment dehors, il y a des gens qui sont tout le temps dehors, qui n'ont pas les moyens d'être à la maison. Donc déjà, dès à présent, vous qui avez la chance comme moi d'avoir un toit, remerciez Dieu les gars. Alhamdulillah. Et on va se mettre dans la peau d'un pauvre. C'est parti. Comment va se passer cette journée? Il va y avoir deux personnes qui vont être entre guillemets pauvres et une personne qui aura de l'argent en illimité. Comme ça, on pourra comparer les deux. Donc, on a trois papiers, c'est Yacine qui les a préparés. Donc Yacine, tu vas pas choisir vu que tu sais c'est lesquels. Un papier avec 2 euros, un papier avec 5 euros et un papier avec argent illimité. Mira, on va faire pierre, feuille, ciseaux pour voir qui commence à choisir. Pierre, feuille, ciseaux. Ok, tu commences à prendre. Prenez-vous deux en même temps en vrai. Laisse là, comme ça, elle découvre. Prends ton premier bout. Est-ce qu'elle va avoir 5 euros? 2 euros. Oh, t'es la pauvre de la vidéo. Ça se fait pas. Tiens la caméra ce que tu m'as dit hors vidéo. Les gars, j'ai dit hors vidéo, j'ai dit ça serait trop bien que Myriam tombe sur 2 euros. Ça serait trop marrant pour voir comment elle s'en sort. Qui va t'accompagner? Qui va être pauvre avec toi durant cette vidéo? Soit Yacine, soit moi. Ah, attention. Bah, toujours en islam, la droite, je prends la droite. Non. Être riche dans cette vidéo, j'ai de l'argent en illimité toute la journée et Yacine va prendre le dernier. Wallah, t'as pas regardé les papiers? Wallah, par Allah, j'ai pas regardé. Bon, une fois que dans une vidéo c'est moi qui est riche, ça va être incroyable. Ah bah y'a pas de dernier mot, du coup moi je suis avec Yacine. Tu t'es assis dessus, lève. Mets bien le mot au milieu qu'on voit qu'il n'y a pas de triche. 5 euros. Et moi j'ai 5 euros, c'est toujours mieux qu'avoir 2 euros. Donc toi, force à toi, pas comment tu vas faire. Mais lui il a illimité. S'il te plaît, Younes, il a encore temps, allez, s'il te plaît. À partir de maintenant, vous allez devoir quitter la maison. Non. Je vais vous donner ça, vous en aurez besoin. Si vous voulez aller chercher à manger, Yacine, tu as 5 euros et Myriam, tu as 2 euros, vous passez la journée dehors. Non, Marana, c'est notre argent. Vous faites ce que vous voulez, c'est plus mon problème, je vous invite à sortir. À partir de maintenant, vous êtes sans domicile. Marana, t'emmenez les trucs. Non, vous emmenez rien du tout, commencez pas. Non, Myriam, commence pas à emmener des... Yacine, t'enlèves tes 2 euros, t'es sûr? Marana, tu prendrais une règle. Vous prenez rien du tout. Stylo. Rien, vous sortez une comme ça. De pain. Rien, vous sortez comme ça. Les gars, je sais pas comment on va faire, mais cette journée elle va être très dure. On va devoir se ségrer les coudes avec Myriam ou je sais pas, on va trouver une solution. Mais... Vas-y, avance. Ça, c'est un truc de ouf, il pleut à fond. Viens sous le parapluie, non, t'as. Faut trouver un abri, faut qu'on trouve un abri là, Myriam. Oh mon dieu. Viens, on va là, il y a un abri là. Attends, viens, on va ici. Ici, ça peut être un bon abri. On va pas. Oh, qu'est-ce que c'est dur, les gars. Waouh. Et dire que les pauvres, ils restent comme ça toute la journée, toute la nuit. En plus, moi, j'ai une maladie. C'est en mode mes doigts, ils deviennent tout blancs quand il fait froid. Moi, regarde mes doigts. Oh, toi aussi. Ils sont tout blancs, tes doigts. Et en vrai, j'ai une idée. Viens, on va dans un magasin. On va dans un magasin et. Oh, c'est fermé. Je crois que c'est l'autre porte. Regarde, il y a marqué porte. J'avais l'image de commencer d'être dehors sans domicile fixe et tout. Mais c'est encore pire que ce que je croyais. Parfois, t'as envie de te réchauffer. Tu peux pas. Regardez, c'est fermé. Il y a une tempête de vent qui est ça. Myriam, j'ai trop mal aux mains. On a un parapluie. Regarde mes mains. Donne, je suis un parapluie. Hey, j'ai trop mal aux mains, Myriam. Mais regarde mes doigts, ils deviennent tout blancs. Bonjour, messieurs. Quand on est riche, la famille, on peut se faire des cadeaux en illimité. Et attention, en islam ou dans la vie, c'est pas une mauvaise chose d'être riche. Au contraire, si t'as travaillé et t'as de l'argent, c'est grâce à Dieu. Mais par contre, il faut remercier Dieu et faire le bien autour de toi. C'est pas les riches qui disent l'argent, c'est grâce à mon travail, c'est grâce à mon intelligence, c'est grâce à moi. Mais qui t'a permis d'aller travailler? Qui t'a permis d'être intelligent? C'est ton Seigneur. Et regardez le cadeau. C'est un cadeau plutôt incroyable. Regardez juste la boîte. Regardez-moi la boîte, les gars. Si on a qui arrive à savoir ce que c'est grâce à cette boîte, je la trouve très très belle. Par où ça s'ouvre? Je vais pas la casser celle-là. Je vais carrément enlever mes lunettes. Quand ça s'ouvre comme ça, c'est une dinguerie. Normalement, les boîtes de jus, ça s'ouvre comme ça. Là, ça s'ouvre comme ça. Petit papier blanc. Oh là là là. Elle est là, les gars, la crampon TN. Je sors la deuxième. La crampon TN. Elle est incroyable, regardez-moi ça. Si je vous dis le prix de cette paire, dites-moi en commentaire sans tricher, à votre avis, elle coûte combien? Pourquoi ils ont mis ZM et pas TN? ZM, Zimbabwe. Le sac, il est trop beau, ZM. Ce que je vous propose, c'est qu'on va les mettre et on va les tester au stade. Ça doit être une dinguerie. Faut faire attention parce que le sol, il glisse. J'ai trouvé un endroit pour qu'on se réchauffe. Ici, il y a un micro-ondes. En tout, à deux, on a 7 euros. Toi, t'as 2 euros, moi, j'ai 5 euros. En vrai, faudrait qu'on trouve un plat, qu'on puisse réchauffer au micro-ondes ici, là. Les sushis, ça coûte 8 euros. Mais tu parles de sushis, toi. Tu vas manger des sushis, arrête. Tu vas manger quoi la journée après? En vrai, faut qu'on prenne des petits trucs. Tu vois ça, t'as 3,94€. Je pourrais prendre ça. Mais j'aurais que ça pour toute la journée. Ça serait pas rentable. 31€. Il y a 2€ ça, mais c'est des légumes. Mais on va faire quoi? On peut pas les cuire, c'est mort les légumes. Il y a des pizzas ici. Oh, ce qui est bien, c'est que ça réchauffe les mains. Mets ta main dedans. Oh ouais. Bête de technique pour réchauffer les mains. Incroyable. Il y a des croque-monsieur ici au son. 2,50€ la pizza. Hein. Ouais, mais ça, tu peux pas manger ça pour toute la journée. Ça tient pas. Non, il y a un rayon spécial pour les 1€ et tout. Viens, je vais te montrer. C'est une technique, viens. Regardez. Ils sont en train de nous suivre. On va se faire virer, frère. Ça va ou quoi? Tranquille. T'as pas 1€? Même pas.
pas. T'as pas 2 euros, 3 euros, 10 euros, t'as pas 10 euros? Je viens d'utiliser mes 10 euros là. Ah d'accord, non je rigole, vas-y. Les Japonais, ils ont lancé leurs parents, ils leur donnent 1 ou 2 euros pour acheter des sandwichs ou des trucs comme ça. Vas-y, bref, viens, y a un coin, viens. Pendant une semaine, avec un sac de batata, tu peux survivre. C'est 3 euros. Tu fais que les éplucher, tu fais des frites carrées et tu fais des frites toute la semaine. Mais comment tu fais pour les cuire? Et tu veux pas le truc de ouf? Wesh! Regardez les gars, le stade, comment il est. Malade, j'ai mis mes nouvelles crampons, mais avec la neige ça va être une masterclass. En pleine vidéo les gars, regardez la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pendant que Yacine et Miriam ils sont dans la galère, les gars je suis au stade. J'aimerais trop jouer avec eux, mais tant pis pour eux, ils ont perdu. En plus regardez mon pull, ça c'est vraiment la richesse. Regardez, vous avez déjà vu ça, j'enlève ma veste carrément. Et quand il fait froid, regardez ce qu'ils ont les pros. Incroyable, le froid ça tape pas les oreilles. Donc là les gars on va essayer de jouer dans la neige pour voir si c'est possible. J'ai mis un slalom, en même temps on va tester les crampons. Wesh, la balle elle glisse, la balle elle fait que de glisser les gars. Regardez la balle comment elle glisse, elle fuse. Hey, je vais faire comme à la plage version neige, venez voir. Faire une boule comme ça, un support. À la plage on fait ça. Je mets la balle là. J'ai tiré dans les nuages. Attendez, je refais. Ok, c'est grave bizarre les frères, je vous promets c'est trop stylé. J'ai trop envie de faire des trucs de ouf mais je suis tout seul. En vrai être riche c'est bien, tu vois, être riche. Mais si t'as pas d'amis et t'es tout seul, y'a rien à faire, c'est la galère. On a pas le choix, on doit se faire un sandwich qui cale, en plus c'est le pain moins venu que moi. En fait le moins cher c'est les baguettes de pain, ça coûte 70 centimes. Et en plus écoutez, vous savez, donc, vu que le pain il est dur, ce qu'on peut faire c'est qu'on peut le mettre au micro-ondes là-bas. Myriam, c'est même une demi-baguette. T'as pris une baguette à 50 centimes, plus ça coûte 1,85€, t'as pas assez. On assemble pas. T'as cru dans la rue, les pauvres ils assemblent leur argent. C'est chacun pour sa peau dans la rue, frérot. Ok. Bah non, du coup non, on repose. Bah si, 59 centimes plus 1€. 59 centimes plus 1,85€, ça fait pas 2€, c'est mort. Le monde est méchant. Au moins les passements de jambes c'est gratuit. Souvent les amis, les pauvres, quand ils ont pas trop, quand ils ont pas d'argent, ils sont désespérés, ils sombrent dans l'alcool et du coup ils mendient dans la rue pour demander des gens de l'argent, ils achètent de l'alcool. Ils pensent que c'est la solution parce que quand tu bois de l'alcool, soi-disant tu t'es bourré, t'oublies tout. Mais les gars, c'est pas ça la solution. Ça va rien résoudre, au contraire, ça va aggraver la situation. La solution quand t'es pauvre, la solution numéro 1, c'est de demander à notre Seigneur qui nous aide. De demander à Dieu, faites la prière, demandez à Dieu. Mettez, prosternez-vous, pleurez, demandez à Dieu, soyez vraiment sincères avec Dieu. Et Dieu il va vous augmenter votre situation. Elles ont l'air bien, mais mon pied il est serré dedans, faut que je les habitue. On va essayer de faire un peu de jump pour voir si je vais encore faire des gestes. Tour du monde. Tac, ça passe. Ça passe, oh je suis trop chaud. Chiné, les crampons, elles ont l'air bien, c'est pour ça qu'Mbappé il aimait. On finit avec le crossbar. Si je mets la barre et tous ceux qui regardent la vidéo, vous mettez un like et vous vous abonnez les gars, ok? Bon les gars, moi je continue tranquillement à jouer au foot, c'est trop stylé. La famille, moi avec mes 5 euros, j'ai décidé de rien de m'acheter et j'ai décidé de passer à une personne qui est encore plus en difficulté que moi. Pas Myriam, parce que toi t'as déjà acheté ça, mais une personne vraiment qui est dehors et qui est dans le froid depuis ce matin. Du coup, je vais acheter ça pour ses enfants, des couches. C'est très important d'aider les pauvres. Et si on peut pas les aider financièrement, fais des invocations pour eux, c'est très important les gars. Mais après, comment tu vas faire pour te débrouiller dans la journée? Je vais me débrouiller, je sais. Au revoir, bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup. De rien, que Dieu vous aide. De rien. Bonne journée. Au revoir, bonne journée. Que Dieu vous aide. Merci. La morale de l'histoire, c'est qu'il faut toujours se dire, quand t'es dans une situation, il y a toujours pire que toi. Toujours pire que toi. Wesh, arrête. T'es sur le parapluie. Ça va ou quoi, tranquille? Le familial. Ouais. Bonjour, bah, bon courage. Merci frérot. Ah, regardez, il commence à pleuvoir à fond. Viens, tu veux venir sur le parapluie? Oh, c'est pas évident, c'est une dinguerie les gars. C'est l'heure de manger les amis. Il y a un livreur qui m'a rapporté ma commande. Vous allez me dire, ouais Younes, t'es un ouf, t'as de l'argent illimité, va au restaurant. Les gars, j'ai pas envie de manger les bails de caviar, c'est pas bon. En plus il pleut, il fait froid, la flemme, il y aura du bruit dans le restaurant, tout ça. Je me suis dit, je vais me faire livrer. Et ça c'est la première partie. Il y a un deuxième livreur qui va me rapporter une deuxième partie de repas. Qu'est-ce que c'est que ce truc? What? Regardez la quantité. Bon, c'est pas grave, alhamdoulilah, on va pas se plaindre. Oh, merci Dieu, on a à manger. Bismillah. Je me rappelle quand j'étais enfant et oula, cette saveur je l'ai pas retrouvée depuis très longtemps. On allait avec Yacine au grec, sauf qu'on n'avait pas d'argent. On demandait des fois, vous avez pas 1€ et tout, au lieu de voler ou faire des bêtises. Les gens nous donnaient, on prenait un menu buns et c'était ça. Du poulet avec du curry les gars. On est d'accord que tu sois riche ou pas, il n'y a pas un repas où il n'y a pas de frites. On va voir la quantité si elle est bonne. En vrai, ça va. J'espère qu'Yacine et Myriam ils s'en sortent bien quand même. Enfin, ils me respectent. Enfin, ils me respectent. Ils sont bien balèzes. Bonne sauce, les gars, et toujours remercier Dieu, les gars. Tout ça, là, c'est grâce à Dieu qu'on s'est en bonne santé, qu'on peut voir, on peut parler. Tout ce qu'on peut faire, c'est grâce à Dieu. Donc, merci, mon Seigneur. Bismillah. Le poulet est bien croustillant, bien fondant. Il y a des épices, ça pique un peu. S'il te plaît, laisse-nous rentrer.
rentrer dehors, on n'avait pas d'argent, s'il te plaît. Allez, fais le bon, s'il te plaît. C'est depuis tout à l'heure, c'est un truc de ouf. Il fait moins 5 degrés. Regarde mes doigts. Vous croyez vraiment que les pauvres, quand ils supplient les gens, ils leur accordent. Vous allez rester dehors, je vous ai ramené une petite surprise comme ça. Tu peux nous donner, s'il te plaît, un paquet de gants au moins, un paquet de gants. Merci. La mayonnaise. Je vais manger de la mayonnaise, moi. Ça peut vous aider. Mais moi, je vais manger de la mayonnaise. Bah, t'as fait quoi ton argent? Déjà, je serais content, je suis sorti un peu pour vous parler normalement. Mais toi, c'est bon, frère. Depuis tout à l'heure, tu nous nargues avec ton argent, là. Ça y est, on a compris. Laisse-nous dans notre malheur, là. T'as pas pitié déjà qu'ils ont froid? Bah, au moins, ça va vous caler. Soyez content, vous avez à manger. Moi, j'ai rien. Regardez, vous soyez content, vous avez à manger. Moi, j'ai rien. Ramène-le du quinoa. Ça fait même pas 24 heures que je suis dehors. Regardez mes doigts. Regardez, les gars, le chauffage, il a glacé. Les gars, le livreur, il vient d'arriver pour la deuxième commande. On est trop bien. On va se poser dans notre fauteuil. Ah, là, on se détend. On a mis une petite série Netflix. Et les gars, on a eu un petit mot. Cette pâtisserie a été préparée avec le cœur. Oh, ça fait plaisir. Oh là 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 là. Va à l'école. Et en fait, mon école, chaque année, a fait ça. C'est qu'elle donne aux Restos du Cœur des choses que les gens apportent. C'est quoi les Restos du Cœur? En fait, les Restos du Cœur, c'est pour les personnes qui n'ont pas d'argent pour s'acheter des trucs et tout. Et du coup, ils vont là-bas et leur donnent à manger. Déjà, on a des gâteaux, des tartelettes. Tu as donné ça à des gens qui peuvent pas s'acheter à manger? Ouais. Okay. Ça, c'est super bien. Et les gars, c'est super important de donner aux gens qui n'ont pas, parce que mettez-vous à leur place. Imaginez, vous n'avez pas d'argent. Ram, j'ai une question à te poser. Qu'est-ce que tu préfères à l'école? Ce que je préfère à l'école, en fait, la récréation, parce que la récréation, déjà, ça te permet de te défouler et tout. Parce qu'après, tu restes 4 heures dans une classe et après, tu vas dehors, tu prends l'air et tout. C'est incroyable. C'est quoi que t'aimes le moins à l'école? Le moins à l'école, c'est quand on fait de la science. La science? C'est grave ennuyant. Ah ouais? Ouais, elle nous parle des calories et tout, c'est grave ennuyant. Myriam est partie à l'école, la famille, travaille. Amusez-vous, on vous dit pas de pas vous amuser, rigoler avec vos potes, casser des barres, mais quand la prof parle, écoutez bien ce qu'elle dit. C'est très important, comme ça vous avez des bonnes autocontrôles, vos parents ils sont fiers de vous, vous avez des bons diplômes, Inch'Allah vous sortez des bonnes personnes. N'allez pas pour faire n'importe quoi, les gens ils rigolent sur vous, après à la fin vous redoublez, t'as 15 ans, t'es encore en CM2. Ça veut dire quoi ça? On peut redoubler parce qu'on a des difficultés, on fait les S à l'envers, on sait pas lire. Tu faisais les S à l'envers à l'école? En CP, ouais. Oh lolo. Yassine et Myriam, on arrive à la fin de la journée, je vous remets votre sac de couchage, vous allez passer la nuit dehors. Vous... C'est moi ça. Ah, c'est là que vous allez devoir passer la nuit. Juste moi je profite une dernière fois, les gars, du chauffage. Yacine, arrête de tricher. Yacine, arrête de tricher. Là, ça fait très peu de temps qu'on est dehors et je suis en souffrance. Alors j'imagine même pas les pauvres. Tu peux partager, s'il te plaît? Tiens. Ça change des gâteaux de la richesse, frère. Mais quand t'es dans le froid comme ça, t'as faim, tu manges tout ce qui... Même de l'air, tu le manges. Attends, venez avec moi explorer là-bas, il y a quoi? Viens avec moi, on va explorer. On va, bonne nuit à vous. Hein. Vas-y, viens. Bonne nuit. Bonne nuit. Quel bonheur, les gars, de pouvoir rentrer chez soi et d'avoir un lit. Et pour nous, c'est un truc normal, mais c'est une richesse incroyable avec des grosses couettes dans ce froid-là, avec les SDF, les pauvres, qui n'ont rien pour dormir. Déjà, juste Yassine et Myriam, ils sont en galère. J'espère vraiment que ça vous aura plu. N'oubliez pas de remettre un like et de vous abonner, les gars. Yassine, il m'a dit faut qu'on fasse une vidéo pour les pauvres. Et franchement, on les oublie beaucoup, malheureusement, que Dieu nous pardonne et que Dieu facilite à tous les pauvres et à toutes les personnes en difficulté. Amen. Allez, salam tout le monde.